Merci, mesdames, pour vos présentations. C'était très intéressant. Puis vous avez vraiment bien fait aussi d'insister sur l'importance du financement du milieu communautaire parce que vous arrivez à faire tellement avec peu de moyens. Alors, on peut imaginer ce que vous seriez en mesure de faire si réellement il y avait les ressources qui vous étaient dédiées. Ma question serait à l'endroit de Mme Matt. En fait, vous avez parlé donc de la loi fédérale, puis de l'importance de l'appliquer de façon cohérente, que c'était pas le cas au Québec. Vous avez nommé quelques exemples là, à propos des municipalités, notamment le code aussi, pour le code du travail. Bon, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux visions dans tout ce débat-là. Une vision qui réclame, comme la vôtre, par exemple, qui réclame plus de coercition au niveau de la demande. Il y a une vision qui est opposée, qui dit, bon, qu'il faudrait davantage, disons, encadrer le milieu de la prostitution. Puis, en fait, je serais simplement curieuse si vous pouviez nous dire, nous exposer votre vision. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont l'opinion ou la vision contraire de la vôtre? Vous allez les entendre demain, fait que je me permettrai de plutôt parler, concentrer sur ce que nous, on a à dire. C'est un choix de société. Et quand je parlais de l'embourbement dans lequel nous sommes depuis les 15 dernières années, c'est justement dans cette... On n'accepte pas comme société de faire un choix. On préfère, parce qu'au Québec, on aime les consensus, essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait conjuguer tout ça. Mais dans la vraie vie, on doit faire ce que d'autres sociétés, parmi les plus égalitaires, qu'on pense à la Suède, la Norvège, l'Islande, qui ont aussi des groupes qui prônent la reconnaissance de l'industrie du sexe comme une industrie comme une autre, mais qui ont tout simplement dit non. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on choisit comme société. Et comme je disais, le Québec, pour moi, dans ma compréhension à moi, on a dit ça en 2006. C'est qu'on n'a pas agi en fonction de ce qu'on a affirmé en 2006. La prostitution est un obstacle à l'égalité pour toutes et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Fait qu'après ça, on peut vouloir débattre, mais ça, moi, personnellement, là, je suis rendu pas mal plus loin que ça. J'ai pas envie de débattre. Pour moi, c'est pas un débat. C'est pas un débat, c'est un choix. Et le choix, évidemment, moi, je vous invite à faire le choix que la France a fait, particulièrement dernièrement, l'Irlande, la Suède, la Norvège, de plus en plus de pays à travers le monde affirment que l'achat d'actes sexuels est contraire à une société pour l'égalité. C'est ce que je vous invite à faire. Justement, pourquoi je vous posais la question, en fait, parce que je pense que c'est une prémisse qui est importante à poser lorsque va venir le temps de choisir les recommandations ou les mesures à mettre en place. J'aimerais ajouter que les sociétés qui n'ont pas fait ce choix-là ont eu des résultats désastreux. Il suffit de voir ce qui se passe en Allemagne, entre autres, où la traite a augmenté. Donc, on a aujourd'hui des résultats probants. On peut comparer des sociétés qui ont fait le choix de considérer justement que c'était une violence envers les femmes versus d'autres sociétés qui ont considéré que c'était pas nécessairement une violence, qu'il y avait moyen de réglementer les conditions dans l'industrie du sexe. On voit qu'il y a eu un échec du côté où il n'y a pas eu cette reconnaissance de la violence inhérente au système de prostitution. Oui. Merci, mesdames, pour votre présentation. Je pense qu'on est tous heureux du retour de l'éducation à la sexualité à l'école. Il était plus que temps. Mais ceci étant dit, si le cours tel qu'il a été prévu actuellement réussit à être bien implanté avec les ressources appropriées, trouvez-vous tout de même que de façon optimale, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a assez d'heures qui sont prévues au cursus scolaire? Parce qu'on a appris, bon, que le gouvernement était peut-être ouvert à revoir certains éléments. Est-ce qu'il y aurait lieu d'augmenter les heures en termes d'éducation à la sexualité, puis aussi peut-être pour aller dans le même sens que la collègue de Les Plaines en ce qui concerne les clients abuseurs, est-ce que ce ne serait pas intéressant de rendre obligatoire, en fait, le traitement par des sexologues reconnus? Est-ce que ça diminuerait? Est-ce qu'on a des statistiques sur la diminution, en fait, du nombre de récidives lorsque les clients abuseurs ont accès à une thérapie de genre?
Deux questions. Ouais. Peut-être au niveau du nombre d'heures, j'aurais tendance à vous dire que j'ai pas encore. Je ne sais pas l'impact du nombre d'heures actuel. Ce que je sais, c'est que pour avoir 100 heures, ça prend de la qualité. Alors, si moi, je suis d'avis que si on veut donner des cours d'éducation à la sexualité, ils doivent être de qualité. Si on a deux bonnes heures d'éducation à la sexualité, c'est mieux que 25 si c'est donné par des gens qui ne sont pas à l'aise ou qui n'ont pas le confort de le faire. Alors, ça, c'est mon premier point. Toutefois, je pense que comme adulte, comme société, l'éducation sexuelle ne se termine pas quand la porte de l'école se termine. Il y a plusieurs bons programmes en maison de jeunes, dans plusieurs de nos groupes partenaires, en centre jeunesse, on soutient cette approche-là d'éducation à la sexualité. Il faut continuer à le faire, à remettre à leur place quand il y a des comportements déplacés dans les propos qu'on entend d'un jeune. Je pense que c'est à nous à ramener ce travail-là, à poursuivre ce travail-là à l'extérieur des portes de l'école. Et je suis d'avis que dans quelques mois, quelques années, on sera en mesure de savoir le nombre d'heures qui est essentiel à ça, mais on revient, nous, avec la qualité du contenu offert. Au niveau des heures, quand la qualité est rendez-vous, les évaluations le démontrent, l'éducation à la sexualité est reconnue comme efficace. Donc, on aborde dans le même sens au niveau de la qualité et au niveau du fait que celle-ci doit être adaptée au développement psychosexuel des enfants et commencer dès le plus jeune âge pour faire une bonne fondation pour que quand les problématiques peuvent survenir, la base, elle est déjà là. Donc, on intervient en amont. Je pense que c'est assez clair aussi qu'avec cette éducation à la sexualité-là, on prévient à la fois la victimisation par les violences sexuelles, mais aussi par justement les contenus en égalité des genres et tout ça. On prévient à ce que des futurs clients abuseurs existent. Donc, ça, c'est une chose. Concernant votre question sur les clients abuseurs et les risques de récidive, écoutez, j'ai discuté justement de ce sujet-là avec une collègue sexologue qui est experte en délinquance sexuelle et le phénomène des clients abuseurs, on le connaît bien, la police le connaît bien et tout ça. Par contre, on manque de données parce que on commence à prendre vraiment ça au sérieux. La tolérance sociale face aux violences sexuelles commence à vraiment diminuer et c'est ce qui fait qu'on va avoir besoin un petit peu plus d'étudier ça en sexo et ailleurs pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en termes de risque de récidive. Est-ce qu'on peut vraiment se fier sur les programmes, par exemple, qu'on pourrait appliquer à des délinquants sexuels avec le traitement d'une durée X? Est-ce que c'est plus facile de traiter les clients abuseurs? On ne le sait pas encore. Donc, on pourrait espérer que oui, mais il faut quand même se donner les moyens pour essayer des types de thérapies de ce type-là. Il faudra avoir plus de recherche. Oui, en effet, c'est ça. Ça peut faire partie justement des pistes de solutions pour qu'on soit capable de mieux cibler le problème des clients abuseurs. Conscrire le problème, en effet, par ces études-là, aiderait énormément à intervenir auprès d'eux. Merci, M. le Président. Merci énormément pour votre présentation. Comme députée à Longueuil, c'est sûr que ça me rend fière de voir qu'il y a autant d'initiatives innovantes qui sont déployées sur notre territoire et qui forcent aussi à penser en dehors du cadre. Puis je pense que vos contributions apportent beaucoup aux travaux de la Commission. Donc, je vous remercie. Puis j'aurais des petites questions justement en rafale pour que vous puissiez peut-être qu'on puisse mieux saisir peut-être la réalité de certains programmes que vous avez mis en place. Par exemple, avec l'équipe intégrée, je sais que vous travaillez avec des partenaires du milieu communautaire, que ce soit en hébergement, avec également la CLI qui sont venus nous rencontrer plus tôt ce matin. Donc, comment ça se passe, ce partenariat-là, d'abord? Ensuite, par rapport à l'idée d'implanter justement des policiers plus près des communautés, quel rôle ça peut jouer dans la prévention sur l'exploitation sexuelle? Puis finalement, ma dernière question porte sur les John School. Est-ce qu'on a je sais qu'au Québec, on n'a pas beaucoup de données, c'est ce que nous ont dit les autres groupes avant vous, mais est-ce que par rapport à ce qui a été fait ailleurs, par exemple aux États-Unis ou dans d'autres provinces canadiennes, est-ce qu'on constate vraiment une diminution de la récidive par rapport aux clients abuseurs qui vont suivre le programme des John School? Si je vais répondre tout de suite à cette question-là. Au niveau de la récidive, il faut faire attention parce que plusieurs études évaluent selon certains critères la récidive. Donc, c'est très délicat de répondre à ça. Exemple, si vous avez, et les gens l'ont exprimé, ça ne s'adressera pas à tout le monde, à tous les types de clients, les John School. Si vous êtes quelqu'un de très violent envers les femmes, qui a une haine profonde, ce n'est pas un programme de 8 heures qui va vous transformer. Si vous avez une déviance sexuelle majeure, ce n'est pas ça non plus qui va. Donc, il faut d'abord
distinguer celui qui est fait pour le John School et à qui ça va réellement parler, de celui que c'est davantage une thérapie sur de 2, 3, 4 ans pour venir à bout de traiter sa déviance majeure. Donc, il faut faire attention au niveau des résultats de est-ce que ça fonctionne ou pas, parce qu'en fait, présentement, la seule unité qui a été identifiée, c'est est-ce que je te rattrape. Mais ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas fait. Si on tient une opération par année, il y a des chances qu'on ne le rattrape pas tout de suite et ça fait bonifier les statistiques. Edmonton nous ont demandé d'être très prudents là-dessus parce qu'eux n'ont pas eu la prudence nécessairement de s'assurer de ça avant. Donc, on pourrait plutôt suivre ces gens-là sur le long terme, les réinviter dans un questionnaire 12 mois, 24 mois plus tard. Pour l'autre question, au niveau de la prévention et avoir des policiers encore plus proches de la communauté, pour cet aspect-là, je vous dirais, plus nos policiers seront dédiés à travailler dans la communauté, avec la communauté, à un très bas âge, surtout au niveau des jeunes filles, que ce soit que des policiers qui s'intéressent à des familles qui leur seront, j'appelle ça un peu la police-famille, donc des policiers qui sont dédiés à certaines familles, qu'on sait qu'il y a une certaine vulnérabilité au niveau de leurs jeunes filles. Donc, s'intéresser à eux avant la crise, dès l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, être en lien avec eux et que le policier fasse un peu le lien pivot avec d'autres partenaires pour venir en aide à cette jeune fille-là. Nous, on croit vraiment dans le travail en amont, bientôt, à un âge très jeune, pour faire en sorte qu'on puisse anticiper l'émergence d'une problématique avec cette jeune fille-là. Mais ça prend des policiers qui vont éventuellement être dédiés là-dessus et non pas uniquement des policiers qui sont sur les appels 911. Le travail de partenariat, de concertation, c'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas un document qu'on signe, puis on est partenaire. Donc, c'est de travailler vraiment avec tous les partenaires. D'ailleurs, la clé, une des choses, et Émissaire aussi devrait contribuer, c'est qu'on veut immerger des policiers dans le programme immersion pour qu'ils comprennent la réalité des jeunes femmes, pour défaire un peu les croyances, les mythes, voir vraiment la vraie réalité. Fait que ça, c'est vrai. Puis tous les autres trajectoire de services qu'on peut avoir en dépendance, qu'on peut avoir, vous avez parlé d'hébergement, c'est une grande difficulté qu'on a de trouver des places d'hébergement avec des filles qui vont cadrer, pas intoxiquées, qui veut vraiment, la fille va être placée, puis elle va rappeler son proxénète, elle va revenir la chercher. Donc, des places comme ça, souvent, on doit rouler plusieurs heures pour aller porter des victimes dans des centres qui acceptent, et que c'est extrêmement complexe. Puis finalement, ce que je vous dirais, qui vient faire le lien un peu avec le policier de concertation, le policier qui est dédié, qui va être dans la rue, qui va être très proche, c'est qu'on a beaucoup de parents qui nous disent « faites ce que vous avez à faire pour nous aider », qu'ils sont prêts à ce qu'on travaille ensemble. Puis il y a une des mères qu'on a rencontrées, qu'on lui a dit « ben ça prend tout un village pour éduquer un enfant », pour le faire, ben, elle dit « ben il est où le village ?» Elle dit « il est où le village ?» Je ne l'ai pas, il y a plein de services, la fille était suivie par le DPJ. Puis, il y avait des intervenants de rue, de l'école. Ils disent, vous travaillez tous là-dessus. Puis, si vous regardez dans le mémoire, il y a le sociogénogramme, puis vous ne vous parlez pas. Vous ne vous parlez pas. Puis, moi, mon fils puis sa fille, les deux étaient impliqués. Que c'est de ramener l'esprit de village avec un policier qui connaît la jeune puis qui est capable d'aller chercher les services. Puis, on tisse un filet de sécurité très en amont pour pas qu'elle ait juste qu'on a ce besoin. Donc, on soit obligé d'avoir un signalement, un suivi, puis que la fille se retrouve en centre de réadaptation. Puis, il faut vraiment être en avant de la rondelle sur ce type de problématiques-là, mais en fait, toutes les problématiques, si on peut être au-devant, bien, on est beaucoup plus efficace. Notre argent qu'on place là nous rapporte beaucoup plus que d'essayer de courir après puis essayer de l'amener vers des services, malgré qu'il faut le faire quand même. Il y a des filles qui sont exploitées, puis le rôle de la coordonnatrice, c'est au-delà des services du centre jeunesse, elle est capable de poursuivre, mais dans un esprit, comme on vous parle dans la clinique de concertation, de volontariat de la personne et de sa famille. C'est toute l'approche systémique, les gens autour de la victime. Pour votre présentation, puis je tiens à souligner à quel point c'est paradoxal un peu ce soir, parce que toute la journée, puis même dans les auditions, en novembre, les groupes qui sont venus, tout le monde souligne l'importance de la coordination, de la concertation pour ne plus travailler en silo. Mais en même temps, de l'autre côté, on voit des programmes comme les vôtres qui ont de la difficulté à voir à long terme, justement en raison du manque de financement. Donc, il me semble que ce serait une bonne façon de poser des bonnes balises pour la suite, de s'assurer qu'il y ait une pérennité
à ces programmes-là qui font vraiment la différence, puisque j'abonde dans le même sens que vous, Mme Carignan. Tu sais, je les vois, les organismes à Longueuil aussi, avec la concertation, ils en ont par-dessus la tête, puis il y a plein de belles initiatives qui tombent à l'eau, en fait, parce que les intervenants, ils n'ont juste pas le temps, en plus de leur travail au quotidien dans les organismes, de planifier la concertation. Donc, de là l'importance de votre rôle. Puis, je me demandais au début de votre présentation, vous avez dit que maintenant, vous étiez là en tant que bénévole parce que vous n'aviez plus ce financement-là. Qu'est-ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que le programme est venu à terme après 3 ans, puis là, ça n'a pas été renouvelé? Le programme était pensé sur 5 ans avec une obligation de renouveler les normes du programme après 3 ans. Donc, notre 3e année s'est terminée le 31 août. Puis je pense pas que ça a été prévu pour qu'il y ait cet écart important-là dans le financement, mais les délais avec les exigences du ministère ont fait en sorte que les sommes sont, de l'an 4 ne sont pas descendues au moment de la fin de notre année 3, ce qui fait qu'on a terminé le 31 août et qu'on est encore en attente de notre enveloppe pour le début de l'an 4. Fait que depuis septembre, il y a des activités de concertation minimales que les partenaires ont pris sur leurs épaules. Il a fallu rédiger le plan d'action de l'enquête, il a fallu faire certaines tâches, mais les activités sont vraiment réduites au minimum, puis moi, je suis pas là. Donc, j'ai pris mes courriels à distance, fait que j'ai reçu votre invitation, mais je suis pas dans le portrait depuis septembre. Mais dans l'attente que je revienne dans les prochaines semaines, on est en attente de l'enveloppe du MSP. Ah, OK. Donc, vous êtes vraiment dans un entre-deux en ce moment. OK. Dans un crack de financement. Wow, OK. Bien, je pense qu'on en prend bonne note pour la suite, parce que je pense que c'est pas normal que des situations comme ça puissent... Ce que j'adore, ce que je fais, que je suis restée, mais il y a beaucoup de coordonnatrices qui auraient juste quitté, puis on aurait eu à recommencer avec quelqu'un de nouveau, puis je trouvais pas que c'était souhaitable pour la concertation, donc j'ai décidé de rester. Vraiment, en tout cas... Chapeau à vous, mais je pense qu'on en prend note, puis il faut plus que des situations comme ça puissent se reproduire dans le futur. Merci beaucoup, mesdames, pour votre présentation. Tantôt, on parlait d'espoir. Moi aussi, j'aime bien l'espoir. Je suis une éternelle optimiste, mais je dois vous dire, quand je vous ai entendu, Mme Michel, que j'étais plutôt découragée. Parce qu'on sait à quel point ce phénomène d'exploitation des filles et des femmes autochtones a été mis au jour dans les dernières années. Mais ce que vous nous avez dit dans votre présentation, c'est que le phénomène, en fait, serait en augmentation. Vous avez dit que la demande était croissante. Vous parliez, bon, des stéréotypes qui s'ancrent dans un mythe assez lointain dans notre histoire. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette demande croissante? Parce que ça me renverse, en fait, de voir que ça continue puis de plus belle. Phénomène qui explique la demande croissante, il y a cette... le fait qu'on en parle de plus en plus vient aussi confirmer tous les problèmes systémiques qui touchent les peuples autochtones au Canada, et plus particulièrement au Québec, dans le cas qui nous occupe. Du côté des exploiteurs, c'est documenté des exploitants que plus la personne va être en situation de vulnérabilité, plus elle est facile à exploiter. Et donc, quand on dit que la demande est croissante, c'est que l'offre, elle est là. En ce sens que les filles, elles sont en grande situation de vulnérabilité. De la prostitution, de survie, il y en a. Pour des raisons systémiques, et je vous réfère au dernier rapport de la rapporteure spéciale de l'ONU sur le logement. Qui est sorti en 2019 et qui établit clairement que les problèmes de logement dans les communautés autochtones au Québec, et au Québec, je souligne, viennent ajouter à la situation de vulnérabilité des femmes et des filles autochtones, ce sont ces mots, et donc fragilisent toute leur situation familiale et les rendent encore plus vulnérables aux problèmes de violence familiale, aux problèmes d'exploitation sexuelle, aux problèmes de prostitution, de survie, parce que n'ayant pas de logement dans les communautés, elles essaient de se trouver une chambre pour la nuit au sein de la communauté, où elles vont descendre en ville, en milieu urbain, donc descendre dans le sud à partir du territoire, pour essayer de survivre. Et donc, tout ça crée une offre, par pure survie, et le marketing étant ce qu'il est dans toutes les sphères de la vie, offre, demande vont de pair.
Donc, la demande augmente en fonction également de l'offre, malheureusement. Donc, c'est pourquoi aussi, vous remarquerez dans nos recommandations qu'on essaie de travailler des deux côtés, à la fois donc dans la mise en œuvre efficiente des articles du Code criminel tels qu'ils sont écrits. On ne propose pas de modification législative à cet effet-là, mais également dans toute la prévention. Donc, travailler à la fois en amont et en aval, donc à la fois sur la victime ou la potentielle victime et le potentiel délinquant. Oui. Donc, il y a 15 ans, l'exploitation sexuelle pouvait se résumer à ce qui se passait en milieu urbain qui était connu. OK? Il y a les médias sociaux qui ont déclenché une vague. Maintenant, c'est facile de se trouver du monde. Facebook est un grand fléau parmi nos communautés. Tous nos jeunes, à la naissance, viennent au monde avec un Facebook. OK? Donc, puis on écrit tout sur nos Facebook, comme 1 million d'autres jeunes à travers le Québec. OK? Donc, on écrit si ça va pas bien, on écrit qu'on a besoin de sortir de la ville. Donc, c'est facile. Donc, quand on dit qu'une fille autochtone, c'est une cible, c'est facile de savoir laquelle a plus besoin de sortir de là ou de changer de ville, qui a besoin d'un... Tu sais, j'ai aimé la présentation de Mme Philippini qui disait qu'on a un « broken link », OK? On a un lien qui est cassé. Maintenant, ça, c'est une des raisons pour laquelle on va aller plus facilement vers un ailleurs, donc une promesse. Donc, quand on parle, par exemple, dans le mémoire du petit copain, là, OK, c'est une des choses parce qu'on va essayer de combler ce manque-là. Donc, présentement, le fléau est rendu que j'ai des femmes en communauté qui ont une vie tranquille et qui sont envahies par les gens de la ville. Il y a des gens de la ville, des prédateurs de la ville, des agresseurs qui vont dans les communautés et qui disent « OK, moi, je cherche une fille, là. J'ai entendu dire qu'il y avait une telle Mélanie ici. Pouvez-vous me donner, me dire où se caresse? » Donc, j'ai les gens de la ville maintenant qui se déplacent puis qui vont chercher directement les filles à même la communauté. Fait que c'est pas juste « je vais te payer ton billet d'autobus, puis je t'attends à la gare, là ». On est à une coche de plus encore. Donc, plus ça va et plus les risques sont énormes. Puis, il y a une raison, je vais juste préciser, il y a une raison très pragmatique du fait que Facebook soit autant prisé. Il faut débarquer dans le Nord, puis pas besoin d'aller très loin, là, même dans les communautés atikamekw, pour constater que dès lors qu'on passe un certain kilomètre là, sur l'autoroute, sur la route même, on n'a plus de réseau. Et donc, le seul moyen de communiquer avec le monde extérieur, c'est de se ramasser dans une maison privée ou au bureau du conseil de bande ou quelque chose, puis de dire « c'est quoi ton code pour le Wi-Fi? » Et donc, on ne peut pas texter, on ne peut pas appeler, mais en revanche, les jeunes peuvent, passez-moi l'expression, se Facebooker. Et donc, même pour avoir été intervenante en milieu universitaire, parfois pendant les vacances, que ce soit l'hiver ou l'été, pour rejoindre les étudiants universitaires, il faut utiliser Facebook parce qu'ils n'ont pas le téléphone. Donc, on pourrait facilement dire, ouais, on pourrait faire de la prévention puis dire aux jeunes d'utiliser moins Facebook. Ben non, c'est ça leur lien avec le monde extérieur. Ils ont besoin de, les réseaux sociaux ont ouvert cette possibilité du lien avec le monde extérieur, mais ont également ouvert un paquet de problèmes. Viviane, tu voulais dire? Oui, je voulais rajouter quand même, lorsqu'on parle justement d'augmentation d'exploitation sexuelle des mineurs est en augmentation. Ça prouve qu'on n'a pas encore travaillé la problématique. On n'a pas encore de plan d'action pour justement travailler cette problématique. Évidemment, elle est peut-être décourageante, mais il y a d'autres enjeux aussi. Mais en même temps, ma collègue ici, ma sœur ici à côté, qui est Mohawk, nous arrive déjà avec quelque chose de concret. Imaginez-vous qu'il y a 54 communautés au Québec. Si 54 programmes de ce genre seraient existants
et n'excluons pas la population urbaine, OK? Les grandes villes, Montréal, Val-d'Or, Québec, Trois-Rivières, Sept-Îles. Et n'oublions pas aussi, à partir aussi, où est-ce qu'il y a de l'exploitation minière, toutes ces gens d'exploiteurs de la planète, je les appelle les destructeurs de la planète, qui fait une augmentation de ce genre. Si nous, en tant que Première Nation, on avait cette belle opportunité de retravailler nos valeurs comme elle l'a si bien présentée, je pense que le taux d'exploitation sexuelle baisserait, ça c'est sûr. On a fait, à Femmes autochtones du Québec, des ateliers avec des jeunes femmes sur, justement, l'exploitation sexuelle des mineurs et la traite. Je porte fièrement le T-shirt. Je suis fière d'être femme autochtone et je ne suis pas à vendre. Ça a été une belle rencontre avec les jeunes parce qu'on a parlé les faits, on a parlé de l'impact, on leur a donné l'information sur autant sur les lois d'immigration, etc., parce qu'on perd des jeunes filles. Tout à l'heure, ma collègue vous a dit que ça peut être des éléments déclencheurs sur les femmes autochtones disparues et assassinées. Elles sont importées ailleurs aussi. Je suppose, c'est important que je suppose, mais en lien encore avec la traite des femmes. Merci. Oui, mais d'abord, permettez-moi de vous dire, de vous remercier pour vos présentations, particulièrement la Maison Quelque part. On voit tout ce que vous faites pour les jeunes de Longueuil. Alors, un immense merci, puis à vous, Monsieur Desjardins. Merci de surtout pas lâcher, malgré tout. Puis, je pense qu'on va mener nos travaux à la mémoire de Kim et de toutes les autres qui, malheureusement, n'ont pas réussi à se sortir de ce fléau. Je vais revenir justement sur ce que vous disiez dans votre présentation. Vous disiez que l'une des problématiques était de constater que trop souvent, les différents acteurs du terrain ne savaient pas nécessairement ce qui se passait. Donc, ça témoigne en fait du besoin criant de concertation. Puis lorsque vient le temps justement d'analyser un programme comme Prévention Jeunesse Longueuil, j'aurais aimé que vous nous parliez justement des effets bénéfiques que vous avez pu voir sur la communauté durant les 3 années où le programme a eu cours. Toujours par le lien de confiance qu'on doit créer avec nos partenaires. Entre le communautaire et l'institutionnel, c'est deux mondes. Hein? Aujourd'hui, je peux dire que le travail qui est fait, qui a été fait, ça a porté fruit, pas juste aux gens alentour de la table, mais ça a fait des enfants, ça a fait des petits, à l'extérieur des tables de concertation aussi. Puis on s'est limité par année au niveau de l'intervention, le comité d'intervention puis le comité de direction multi à Longueuil. On s'est limité à peu près à 8 rencontres chaque pour que ça soit efficace puis qu'on soit dans notre milieu pour intervenir dans notre milieu. Avec nos différents partenaires, c'est sûr que moi, ça fait 29 ans que j'étais à Longueuil. Hein? 29 ans, tu as ancré des liens avec les policiers, puis la mentalité a changé aussi beaucoup. Moi, j'ai eu un père policier, je sais quoi, là. On a eu beaucoup de plaisir. Puis d'un autre côté, on voit les résultats de travailler ensemble, de diffuser l'information, parce que les jeunes vont pas mal... Tout en même place, hein? Tous la gang, là, ça se promène. Longueuil, c'est une grande ville, mais en même temps, on sait pas mal où ils sont, les jeunes, qui y fréquentent, qui ne devraient pas fréquenter. Puis, on est capable de s'échanger de l'information et à garder cette information-là confidentielle. Au moment où on décide de la divulguer, c'est parce qu'on a fait on a travaillé avant de la divulguer avec nos différents partenaires qui siègent sur les deux tables. Il y a des organismes qui ne veulent pas partager leur information. Hein? Et puis c'est correct, là, on respecte ça. Là. Ils sont à la table puis ils parlent de leur réalité quotidienne avec leurs jeunes. Nous autres, la démarche est plus loin que ça, à quelque part. Merci.
Toi, dans le projet Sphère, il y a quelques années, quand ça a commencé, autour de la table, on est les Centres jeunesse de Montréal, le Centre jeunesse anglophone, l'Anonyme, qui est un autre organisme communautaire, et nous. La première année a été que de... et le SPVM, bien entendu, de se parler, puis de s'entendre, institutionnel, communautaire, qu'on porte chacun nos chapeaux, mais qu'on puisse travailler ensemble. Puis maintenant, il y a encore des défis, il y en aura toujours, mais le travail qui est fait, c'est beau de pouvoir dire à un jeune, attends, laisse-moi appeler ta TS parce que mon collègue du Centre jeunesse m'a donné le numéro, on va s'asseoir ensemble, on va trouver une solution, tu pourras venir faire un tour en marge, attends, on va appeler. Ça fait vraiment une différence, cette concertation-là. Puis le fait que tout le monde est plus ouvert, puis s'assoit pour pouvoir collaborer ensemble, c'est un atout majeur. Merci beaucoup. Merci pour le travail que vous faites. J'ai deux questions. Une pour la Fondation Marie-Vincent. D'abord, vous, dans la recommandation numéro 2, vous parlez de l'importance de la concertation. Selon vous, quelle forme cette concertation devrait-elle prendre? Et docteur Saint-André, vous avez parlé en ce qui concerne le syndrome post-traumatique d'une possible transmission générationnelle, puis ça m'a beaucoup interpellée. Je me demandais, est-ce que c'est le cas seulement si ce n'est pas traité? Et le cas échéant, comment est-ce que ça peut se manifester? Vous répondez en premier? Allez-y. La forme de concertation, la concertation peut prendre différentes formes et... Je pense que c'est important que la concertation se fasse selon la réalité du milieu dans lequel elle se fait. À Montréal, ça ne peut pas se faire de la même manière qu'en Gaspésie, par exemple, ne serait-ce que pour des questions de distance. Chaque région a sa particularité, mais ce qu'on croit, c'est qu'il est important que les régions se parlent également, donc que la concertation se fasse à différents niveaux. Les jeunes victimes d'exploitation sexuelle sont mobiles. Une jeune fille en fugue, on la cherche dans son quartier, on la cherche dans sa région. Si elle est plus loin, on la cherche moins ou ça prend plus de temps pour qu'on la cherche plus loin. Les proxénètes, les exploiteurs ont compris ça. Et pour plein d'autres facteurs aussi, les jeunes bougent. Donc, la concertation doit se faire à différents niveaux. Et je crois, en tout cas pour notre expérience, le comité Sphère en est un très bon exemple où il y a à la fois des gens qui travaillent dans des milieux institutionnels, des gens qui travaillent dans le communautaire, qui travaillent ensemble dans un objectif commun avec des bases claires. C'est pas toujours évident d'y aller avec les obligations de tous. En même temps, ce qu'on peut voir, c'est que ça fait des bons résultats auprès des jeunes et ça fait du sens pour le jeune. Il sent qu'on le prend en considération dans l'ensemble de qui il est et non qu'on le lance un peu partout. Les jeunes doivent sentir qu'on est là pour eux. Fait que c'est dans ce sens-là, je pense que la concertation serait plus efficace. Il faudrait savoir comment chaque région peut s'inspirer de ce que les autres font pour faire quelque chose vraiment qui va répondre à la demande et aux besoins régionaux. Merci beaucoup. Contribution. Oui, allez-y, docteur. Excusez-moi. D'accord. Je vais faire ça vite. Okay. Non, allez-y, donc, c'est la transmission intergénérationnelle. Bon, évidemment, quand quelqu'un j'ai déjà parlé de modulation périgénétique. Donc, le périgénétique, c'est vraiment ce qui arrive alentour qui influence le corps. L'épigénétique, pardon. Donc, l'épigénétique, par exemple, la reine des abeilles va recevoir une bouffe spéciale qui fait qu'elle va devenir reine des abeilles. C'est aussi bête que ça. Alors, dans notre système génétique, on peut avoir des modulations comme ça qui surviennent après avoir été exposé à certaines choses. Bon, la cigarette, cancer. Bon, et le traumatisme, ben, ça va faire qu'il va y avoir un nombre de récepteurs différents au niveau du cerveau qui fait que les gens vont réagir différemment au trauma. C'est ça. Donc, ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que il peut y avoir le parent qui est tellement anxieux qu'il va transmettre l'anxiété par modèle. Ça va être un modèle anxieux, puis l'enfant va apprendre ça. Mais il y a aussi des choses purement génétiques comme telles, biologiques. Je me rappelle d'une étude qui a été faite par Rachel Yehuda à New York, qui regardait, en fin de compte, les gens qui étaient issus, les enfants de ceux qui avaient été dans les camps de concentration. Okay? Et dans les camps de concentration, donc évidemment, il y avait eu un événement qui était clair pour tout le monde. Et ce qu'ils avaient trouvé, en fin de compte, c'est qu'il y avait eu un changement métabolique, c'est-à-dire que les enfants de ces gens-là
étaient métaboliquement plus efficaces, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de manger beaucoup pour grossir. Or, dans les camps, ils ne mangeaient pas. Donc, il y avait eu vraiment un changement génétique pour se coller à l'environnement qui était celui des camps de concentration. Donc, il peut y avoir vraiment toutes sortes de modèles, autant dans, justement, l'apprentissage par voir les parents comment ils font et ou des transmissions purement biologiques, génétiques. Ce n'est jamais terminé, c'est-à-dire que dans l'épigénétique, on peut changer par la thérapie, oui. Il y a plusieurs modèles qui indiquent ça dans les années récentes. Voilà.